Et salut à tous, c'est Ophé. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2, enfin surtout concernant Destiny 2 et pas seulement Destiny 2, c'est surtout pour la bêta. Donc il faut savoir que la bêta ce sera tout simplement le premier contact pour toute personne qui aura précommandé le jeu. Je pense qu'il y a des chances qu'à bout d'un moment, il y ait principalement la bêta fermée et ensuite elle soit ouverte à toute personne possédant une console ou un PC, parce que j'imagine en même temps elle sera sur PC, enfin j'espère bien, parce que bon, ça serait un petit peu gênant pour les joueurs PCistes, mais c'est pas là la question. En tout cas aujourd'hui voilà, j'espère que déjà dans cette bêta on pourra pas seulement jouer qu'au PVP, parce que je pense que ce sera déjà le mode de jeu principal, le PVP, hein. Faut savoir que le PVP a été le premier truc qui ont pu jouer les gens à l'avant-première de Destiny 2, à la découverte du gameplay et les premières images de Destiny 2. Donc je pense que bien évidemment il sera pendant la bêta. Par contre, je ne sais pas par rapport à la campagne, donc le mode histoire, mais ce serait pas mal qu'ils puissent nous mettre le mode histoire, un petit peu comme dans la démo que tu as sur PS4 ou Xbox, hein, que tu peux télécharger si tu n'as pas Destiny 1, histoire de faire un avant-goût de Destiny 2. Mais bon, cesse de blabla, allons à l'essentiel du pourquoi de cette vidéo. Bah, tout simplement, apparemment, on aurait une idée tout simplement de la date de Destiny 2, en fait, de la bêta de Destiny 2, parce que de la date de Destiny 2, on la connaît. Donc voilà, il y a eu pendant tout simplement le stream cette image qui est passée, donc tout simplement l'inventaire et le niveau de lumière d'un gardien, hein, tout simplement, donc un arcaniste à ce moment là donc on voit tous ces équipements légendaires, etc. Tu te dis bah oui, qu'est-ce qu'il y a de plus, 260 de lumière, niveau 20, apparemment le niveau 20 serait le niveau maximum, donc bon, une information importante, j'ai envie de dire, mais ce n'est pas la seule. Comme tu peux voir en haut à droite, eh ben nous avons tout simplement la présence des lumens et ce qui s'appellerait des shards. Alors je sais, ce qui remplacerait tout simplement les écus légendaires, et on aurait tout simplement 17177 lumens et 98 shards. Eh ben tu te dis ouais, et alors quel est l'intérêt? Eh ben justement, il faut savoir que sur Destiny 1, ils avaient montré une image un petit peu similaire pour dissimuler la date de sortie de Destiny 1, ainsi que je crois que sa bêta. Donc déjà, ça, tu te dis oui, il y a des choses. Alors 98 shards, ben tout simplement 9-8, la date de sortie de Destiny 2, bien évidemment. Alors faut prendre en compte que c'est un calendrier américain, hein, donc c'est en mode les mois inversés et enfin tu m'as compris. Enfin bref, bien évidemment. Hein, si tu comprends bien le délire, ça fait 9-8, c'est le 8 septembre. Tu, enfin, je sais pas, genre, c'est compris. Enfin bref, si on passe tout simplement au lumen, on a 17177 lumens. Qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait 17, 17, 7. 17 qui correspond tout simplement l'année, hein, 17, hein, 2017, hein, parce que c'est un calendrier américain. L'année passe en premier, après c'est le mois, et ensuite le jour. Enfin, quand tu mets... Enfin, c'est un peu bizarre le calendrier américain, mais moi je me perds, tu vois, genre... Des fois c'est le mois en premier, des fois c'est le mois après, enfin j'en sais rien. Mais là c'est... On a l'année 17, on a le jour le 17, et le mois le 7. Donc, probablement... Destiny 2, donc la bêta de Destiny 2 sera tout simplement le 17 juillet 2017. Alors, est-ce que c'est à 100% sûr? Ben non, parce qu'il n'y a pas eu de confirmation de la part de Bungie. Mais tout le temps, à chaque fois, il y a des petits éléments, si tu regardes bien, etc., les vidéos, il y a toujours des petits éléments intéressants à prendre en compte sur Destiny 2, et ça serait potentiellement la date de Destiny 2, donc le 17 juillet prochain. C'est dans pas longtemps, hein. Je te cache pas que j'ai hâte d'être en juillet juste pour jouer à Destiny 2 la bêta et de découvrir un petit peu le multi qu'ils ont bien changé d'ailleurs, hein. Et tout simplement si il y a le mode histoire et ainsi le PVE, parce que quand même c'est quand même la partie que je préférais quand même sur Destiny 1, parce que bon, les problèmes de coach, tout ça. Enfin bref, cesse de blabla, j'espère que vous avez apprécié tout simplement cette vidéo. Si c'est le cas, un pouce bleu, ça fait plaisir. Partagez-la, ça pourrait intéresser d'autres personnes qui voudraient savoir tout simplement quand est-ce que sera la bêta de Destiny 2. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos concernant le futur de Destiny 2, tout simplement. Allez, à plus.